Bonjour à tous, je vais vous lire quelques passages de mon livre qui s'intitule « Mélo » et qui est dédicacé aux membres réels et imaginaires de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. La première partie s'appelle « Transfiction », je vais vous lire le début de la première partie. La Xantia blanche repose devant la fourrière de Saint-Ouen, 93-400, au crépuscule. Un ticket de caisse sur le siège passager déclare 14,90€ et 20h34. L'horaire d'achat du couteau de cuisine planté dans le cœur du conducteur. Sa tête ploie vers les genoux et constitue l'image fétale d'un homme jeune aux cheveux châtains crantés, en boucle sur lui-même, qui semble téter le manche du couteau. Le couteau. Il gît dans le cœur et rien ne sera jamais aussi dur en lui, et rien d'ailleurs n'a jamais eu autant de consistance que cette lame d'acier enfouie dans les soies cardiaques. Des lèvres de chair sont crispées sur l'arme de gala, ruisselantes et passives. Au loin, la ville est nerveuse. C'est samedi soir sur les trottoirs, le printemps gicle. Pour l'heure, le mort attend qu'on vienne le prendre dans la rue déserte, couleur de terre cuite, comme un enfant à la sortie de l'école qui aurait renoncé à pleurer sa mère. Au-dessus de lui, le ciel inhale la fumée blanche qui s'échappe verticalement de l'incinérateur du SICTOM, syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, dont l'entrée est située plus bas dans la rue, au numéro 22. Les barbelés frisottent au sommet du mur de parpaing sommairement cimenté qui longe la fourrière. Derrière, c'est Paris. Au-delà du magasin Conforama Saint-Ouen, le pays où la vie est moins chère, s'aperçoivent à l'horizon les mamelons illuminés du Sacré-Cœur sur la face nord de la colline de Montmartre. Devant, marquant la fin de la zone industrielle, c'est un bras de la Seine qui ce soir charrie la rouille du ciel, également réfléchi par le vert miroir des immeubles de bureaux sur l'autre rive. La Xantia est garée entre un fourgon abandonné et une berline Skoda 800 euros à débattre. De l'autre côté de la rue, derrière le mur d'enceinte, sont enfermés quelques 300 véhicules illégaux. 6 caméras de surveillance veillent sur eux et enregistrent seconde après seconde leur non-existence, tandis que les rétroviseurs des voitures prisonnières réfléchissent des fragments de nature morte automobile. Calandre figé dans le miroir d'un pare-soleil, plaque d'immatriculation objectivée dans le néant des glaces, phare éteint et comme allumé par la lumière crépusculaire. Une fine pellicule de poussière embaume cette communauté inerte. Dans l'enceinte protégée, on ne trouve à cette heure aucun enfant d'Europe de l'Est en train de désosser une Mercedes de cadre supérieur ou de sniffer des solvants. Seulement les dernières vagues de chaleur de la journée qui font onduler les chromes et les silhouettes des habitacles en état d'arrestation. La poche droite de la veste du mort s'illumine soudain, émettant le bruit sourd d'une tondeuse à cheveux électriques. L'écran du téléphone portable, submergé par une émotion de cristaux liquides verdâtres, livre un SMS de circonstance. Tu sors ce soir ? Il n'est pas encore mort. Bientôt, bientôt. Mardi 2 avril, 11h. Il monte les marches de l'escalier d'un immeuble situé au 8 bis de la rue Le Cuireau, dans le 14e arrondissement de Paris. Avant l'étage où se trouve le syndicat dont il est un membre actif, il croise deux femelles et châssiers qui sortent de l'agence de mannequins Elite. Une blanche très brune et une noire aux cheveux jaunes d'une vingtaine d'années. Elles se meuvent en silence, puissantes, les bras nus exposés à la fraîcheur du palier. Portent des lunettes de soleil. Pourtant, la cage d'escalier est sombre comme un puits. Il les observe du coin de l'œil, engoncées dans un costume de lin sable, la main droite légèrement plus basse que la gauche sous le poids de son cartable assoufflé. La porte de l'agence internationale frappée du sceau « Elite » sur une plaque de laiton se referme. Il ne lui reste que deux marches à gravir avant de se trouver face à ces deux femmes. C'est fait. Elle ne le voit pas ou furtivement. Sont-ce des professionnels ou des prétendantes au métier ? Il épie ces créatures d'une autre humanité, au sommet de la sculpture sociale et de l'étrangeté plastique. Deux femmes jumentes, une goule livide en tunique de satin rouge, une noire aux sourcils et aux cheveux ras, jaunis à l'eau oxygénée. Il lui reste encore un étage à gravir avant d'accéder aux locaux du syndicat.
Thème du jour, optimiser le recrutement des adhérents. Elles sont moins parfaites, certes, qu'à la télévision ou sur Internet sous forme d'agglutination de pixels, mais tout de même. Pourquoi le syndicat se trouve-t-il au-dessus de l'agence élite ? À l'état supérieur, la vision progressiste de la démocratie, le dialogue interprofessionnel, le dévouement, la micro-promotion narcissique de l'engagement, les collègues, la réalité. À l'étage inférieur, le commerce des apparences, le cheptel cosmopolite transcendant les races, les peaux et les géographies. Au fait, quel est le syndicat majoritaire chez les mannequins ? Ces deux filles sont-elles elles-mêmes syndiquées ? Ou chez eux, là-haut ? Ça l'étonnerait. Et pourquoi ne deviendrait-il pas leur représentant ? Ça le changerait des salariés ordinaires ? Un peu de sang frais dans le salariat. Il se retourne, considère l'abîme de la cage d'escalier entre les étages 3 et 4, aperçoit deux couronnes de cheveux en mouvement. Il pourrait plonger la tête de la première, chuter sur le couple de mannequins, les saluer de sa mort. Il pourrait aussi faire demi-tour, casser la jambe de verre d'une des deux filles, s'en servir comme d'un tesson de bouteille, s'ouvrir les veines avec, percer le cœur de la victime. Il a un vertige, se reprend. Je vais vous lire maintenant le début de la deuxième partie qui s'appelle « Transformation ». On change de personnage. Là, on rentre dans la peau du personnage qui a connu le suicide. Je savoure du maïs grillé au pied du métro Château d'Eau et je regarde les épis qui grésillent sur le brasero du vendeur, un indien avec chemise à fleurs. La fumée monte droite dans l'air, comme quand j'étais gosse à l'église, et je me dis, même si ça sent l'essence, c'est le grill le plus relax de Paris. Il y a foule par ici aux heures de pointe. Je ronge avec tranquillité mon repas et j'admire les vagues de femmes aux ongles bleus qui entrent chez les coiffeurs afro ou dans la boutique de vêtements Sunshine avec sa devanture couverte de bouts de miroir cassés. Mais autant j'admire ces femmes, autant je méprise les dizaines de bons à rien habillés comme des stars du R&B au chômage qui caquettent pour rabattre les clientes vers les salons de beauté du quartier. Elles devraient les griffer de temps en temps, tous ces hommes laids, ou en exécuter un pour l'exemple et faire la milice pour imposer la loi et hurler « Fous-nous la paix, Joseph, tu n'as aucun style !» Je me délasse contre la rambarde du métro, les yeux vers le sud. Mon véhicule est en double fil, direction le nord, gardé par deux jolis bras. Un homme en survêtement se mire sur la pointe en fer de mes souliers. Pauvre type. J'espère qu'il se dit « Oh, que j'aimerais avoir les mêmes !» Mais non, mon brave, ce n'est pas ainsi que les affaires marchent dans la civilisation. Des pas comme les miennes pour être parfait au quotidien, il n'y en a pas par ici. Ou bien en plastique, et certainement pas à la taille de ton porte-monnaie. Alors retourne jouer au tiercé chez les Chinois en face. Peut-être est-ce un drogué ou un homosexuel qui me fait la cour. Mais comme tout le monde a l'air déguisé, et moi le premier, ce n'est pas gagné de savoir qui est qui et qui c'est lui. Parfois je me dis, moi aussi j'aurais pu être acteur, et pas un petit intermittent mal rasé qui roule en terrasse en attendant qu'on l'appelle comme mon cousin désiré. J'ai encore une fin exorbitante. Je tends un autre billet de 5 à l'Indien qui grille au soleil. Le monstre ronronne. 300 chevaux sous le capot devant la boutique Fair & White Center, le numéro 1 mondial des cosmétiques pour beauté noire, mat et métissée. Les garçons sont à l'arrière sur le marchepied. Il fait une chaleur tropicale. Un peu d'air ne leur fera pas de mal. Le volant est chauffé à blanc. Je passe mes mitaines micro-perforées, la première en douceur. Le prototype s'arrache du sol fondu. Le boulevard de Strasbourg à 30 km/h. Un troupeau de voitures qui se traînent vers la gare de l'Est. Je domine le paysage et le smog. Le soleil mort. Les carrosseries ont l'air brûlantes. Les sièges aussi sous les fringues d'été et les cuisses nues des conductrices. Aujourd'hui, mes équipiers ont mis leur tenue de printemps. T-shirt vert et combinaison jaune sous un baudrier chromé EN471 haute visibilité. Les nouvelles normes haute qualité environnementale, on doit les connaître par cœur. Ils sont collés à la barre de maintien, la nuque en arrière, le front face au ciel. J'allume une Dunhill et pousse la clim d'un cran. Cette semaine, j'aurais pu avoir une équipe plus performante, mais c'est comme ça. Et puis j'ai déjà eu pire. À la gauche du camion, j'ai Bébert, un kabyle, qui manque de tonus.
De l'autre côté, j'ai Sydney, un Malien, un arriviste. Lui, j'ai pas confiance. Je me suis toujours méfié de la mafia malienne sur la poubelle parisienne. Et aussi des Sénégalais, tous ces Africains de l'Ouest qui n'ont jamais fréquenté l'école et qui n'ont honte de rien. Le jus d'ordure qui gigote dans le fond de la benne coule sur l'écran du moniteur de contrôle, près du volant. Ça me dégoûte. Je détourne les yeux et regarde droit devant moi la ville qui défile. Donc c'était le début de la deuxième partie qui raconte l'histoire d'un éboueur qui progressivement va se transformer en sapeur congolais. Voilà. Je vais vous lire le tout début maintenant de la troisième partie qui s'appelle « Transaction ». Un gang de chinoises aux jambes croisées patientait derrière la baie vitrée du bar tabac. Elles étaient équipées de lunettes noires à monture blanche, de robes de printemps à motifs floraux, de mules ouvertes sur des ongles turquoises, fumaient en silence depuis leurs lèvres cerises face à une grande muraille d'ordures au pied du métro Strasbourg-Saint-Denis. Les panneaux translucides de la façade étaient béants. On eût dit les rideaux de verre d'un théâtre transparent. Elles, les chinoises printanières des grands boulevards. Cinématographiques comme des mannequins 60s dans un film de Wong Kar-wai, figuratifs comme les aspirants comédiens du prolétariat culturel français, décoratifs comme des fermières posées dans un champ pour l'œil ferroviaire de Marcel Proust, migratoires pour les élus de l'arrondissement, économiques pour les touristes low cost, lubriques pour les clients en sandales, etc. Une autre était debout au coin de l'établissement, en faction, et ses genoux étaient écorchés sous sa mini-jupe de vinyle rouge. Trois autres étaient assis sur des scooters sans casque, les cheveux noirs brillants comme vernis. Six autres se tenaient sur le trottoir d'en face, concurrençant Monoprix, à côté de la librairie Gibergen. Sous terre, des dizaines d'autres étaient sur le point de les rejoindre, sortant en liesse des rames du métro, avant de prendre les escalators et de franchir les portes de leur usine à ciel ouvert. Un couvercle de fonte se souleva devant le tabac et trois ouvriers noirs avec des lunettes roses sortirent d'une bouche d'égout en sifflotant. Ils regardèrent une vendeuse ambulante chinoise d'une vingtaine d'années qui longeait le trottoir en roller. Sa sangle abdominale berçait un panier d'osier accroché au dos par des bretelles de cuir, comme les ouvreuses de cinéma du XXe siècle. Elle semblait une athlète globale sous le projecteur solaire, lente et fluide, régulière, à 6 ou 7 km. Elle avait le visage barré de verre fumé sans monture, des cheveux goudron frais, un débardeur moulant blanc ciblé « Hey !» porté sur un jean noir huilé. L'un des hommes fit « Hey !» mais elle ne se retourna pas. Elle se dirigeait vers l'ouest et les grands points de rassemblement touristique. Son offre du jour tanguait au rythme souple de son patinage. Un assortiment de produits spécial promenade urbaine, des sprays rafraîchissants, des lunettes de soleil, de la crème anti-UV, des chewing-gums, des gadgets et des jouets fun, des briquets et quelques souvenirs de Paris. Son panier ventral avait la valeur d'un présentoir promotionnel exactement appelé, dans le langage des professionnels de la publicité sur les lieux de vente, PLV, un glorifier. Elle évolue avec calme, doublée sans hâte les marcheurs. Comme si l'exposition des objets mis en gloire dans son panier appelait la mobilité la plus lente possible. Une proposition commerciale silencieuse, un ralenti hypnotique sur le boulevard de tous les boulevards, pas de porte gratuite et passage perpétuel, façon jugement dernier. Voilà, je vous remercie. Merci.